jardin partagé, un beau projet initié par le bailleur I3F. Donc la ville a été évidemment partenaire sur ce projet. Nous avons accompagné une bonne partie l'association qui s'est créée Liberté, qui aujourd'hui est autonome sur la pratique du jardinage. Alors nous sommes au jardin partagé de la cité Renault, en partenariat avec l'ACIF et puis les 3F qui nous ont créé ce jardin. Nous sommes 13 adhérents. Je suis Madame Georges, présidente du Jardin Partagé. Nous nous réunissons tous les mercredis avec Michel pour leur apprendre aux adhérents à cultiver. Il y a une bonne convivialité, une belle entente et puis tout le monde donne la main. L'idée, c'était vraiment de rassembler des habitants qui venaient un peu d'horizons différents. Les anciens habitants de la cité Renault qui étaient là, les nouveaux habitants qui venaient d'être logés dans les programmes neufs avec les jardins individuels. Et en fait, ils ne se connaissaient pas forcément. C'était dit, ça peut être un super outil pour permettre de créer du lien social, de créer du lien entre les habitants, les faire se rencontrer et les faire se connaître. Du coup, très vite, on s'est dit, il faut qu'on puisse jardiner tous ensemble. Ce que nous apporte le plus, c'est le partage. C'est le plaisir, en tant que voisin. Ça nous permet de communiquer mieux, il y a plus d'entente, On se voit plus souvent. C'est plus gai, il y a plus de tolérance. Les gens, ils arrivent à se côtoyer. Ça, c'est le plus important, et c'est le partage. Je suis partie d'une autre association, l'association Valentin, qui est l'association des non-voyants et malvoyants. C'est pour faire voir aux gens qui sont comme moi, qui sont handicapés, que s'ils ont la chance de pouvoir avoir un petit bout de jardin comme ça, avec les gens, pouvoir donner un petit coup de main, aider. Donc entre ici, ce qui nous amène ici le plus, monsieur, c'est cultiver. Parce qu'on est venu pour ça, on est levé pour ça, on a associé pour ça. C'est cultiver, c'est ça qui nous a amené ici, pas pour jouer. On s'entend très 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 bien, il n'y a pas de problème. Le principal, c'était ça. On ne se bagarre pas, on ne se dispute pas, il n'y a pas de problème. Le jardin partagé fait partie intégrante de la réhabilitation qu'il y a eu sur les Mureaux, donc dans le projet en rue. Donc pourquoi je dis partie intégrante? Parce que la réhabilitation est aussi un projet pour mettre plus de mixité sociale, plus de mixité dans les différents quartiers. Malheureusement, nous avons des quartiers où souvent on a des fortes communautés. Donc grâce à tout ça, on a pu éclater tout ça. Pour preuve, au jardin partagé, dans les adhérents, nous avons des gens qui ne se parlaient même pas, qui ne se côtoyaient pas, qui se disaient à peine bonjour quand ils se croisaient dans les parties communes, dans les escaliers ou sur la voirie. Chaque personne a pu voir que finalement, il y avait du bon dans chaque voisin et qu'ils avaient des choses en commun, en fait, en réalité. Donc on a pu fédérer vraiment un groupe de personnes autour de ce projet et autour de la cité. Ça a des conséquences sur après le mieux vivre dans nos quartiers. Ce que j'aime en mon métier, en fait, c'est de pouvoir partager avec le plus grand nombre, en fait, mes connaissances et en même temps, je dis bien en même temps, m'enrichir également des connaissances des autres. Voilà ma philosophie, hein. Je pense comme ça.